leur relation ne risque pas de s'apaiser. Il y a près d'un an, Meghan Markle évoquait sa relation conflictuelle avec son père dans une interview accordée à Oprah Winfrey. Au cours de cette dernière, la femme du prince Harry avait également évoqué sa demi-sœur, Samantha Markle. J'ai grandi enfant unique, ce que savent toutes les personnes qui m'entouraient. Et j'aurais adoré avoir des frères et sœurs, si est pour ça que je suis très heureuse d'être enceinte car Archie aura ça. La dernière fois que j'ai vu Samantha, c'était au moins il y a 18 ou 19 ans. Et avant cela, 10 ans auparavant encore, avait-elle fait savoir avant d'indiquer, elle a changé son nom de famille, reprenant Markle au début de sa cinquantaine, je crois, lorsque j'ai commencé à fréquenter Harry. Je pense que ça dit tout. Mercredi 3 mars, la demi-sœur de la mère d'Archie et Lily Bay a décidé de la poursuivre en justice pour diffamation. Samantha Markle estime en effet que cette dernière a fait des déclarations fausses et malveillantes au cours de son interview accordée à Oprah Winfrey. Elle sous-entendait que la plaignante n'avait aucune relation avec sa sœur Meghan, qu'elle était pratiquement étrangère l'une à l'autre et que la plaignante avait construit une carrière lucrative en vendant des histoires fausses tout en ne sachant rien de l'enfance de Meghan Markle, peut-on lire dans la plainte. Dans cette dernière, Samantha Markle a ajouté, Meghan a prétendu qu'elle s'était sortie elle-même de la pauvreté, mais ce n'est pas vrai. En raison du stress, notre père a subi deux crises cardiaques dans les semaines précédant le mariage. Il était trop malade pour aller en Angleterre pour le mariage. Il n'a pas refusé d'assister au mariage, mais son médecin lui a demandé de ne pas y assister. Meghan Markle est attaquée par sa demi-sœur alors que Samantha Markle réclame une indemnisation de 75 000 $. Michael Kump, l'avocat de la duchesse de Sussex, a confié dans les colonnes de TMZ, ce procès sans fondement est absurde. Ce n'est que la continuation d'un schéma de comportement inquiétant. Nous lui accorderons le minimum d'attention nécessaire, si est-il tout ce que ça mérite. Loading Widget.